it's just you. Well, times can be tough. Les enfants de cette famille sont les plus incroyables au monde. Confier son enfant à une tierce personne n'est pas toujours une chose facile à vivre pour les parents biologiques, mais certaines circonstances peuvent mettre ces parents dans l'obligation de faire adopter leurs enfants. Est-ce bénéfique pour les enfants? Comment ces derniers se développent-ils? En plus de répondre à ces questions, cet article vous racontera l'histoire d'une maman qui a adopté des jumeaux. Ses grossesses suivantes étaient également des jumeaux, mais le plus étonnant arrive quand elle voit leur certificat de naissance, elle reste sans voix. Il arrive parfois, pour des raisons différentes, souvent très difficiles, qu'une jeune maman ne puisse pas garder l'enfant qu'elle vient d'avoir ou qu'elle s'apprête à mettre au monde, elle choisit donc de le faire adopter. Il est donc important de noter que chaque année, des milliers de familles sont créées grâce à l'adoption. Les avantages de cette procédure touchent à la fois les parents biologiques et adoptifs ainsi que les enfants. Les effets de l'adoption sur les enfants. Les données ont prouvé que les enfants s'adaptent non seulement bien à leur famille adoptive, mais ils s'épanouissent. Selon un rapport de l'enquête nationale auprès des parents adoptifs en 2007, 85 des enfants adoptés étaient en excellente ou en très bonne santé et ont reçu plus d'attention que les enfants non adoptés. Des études montrent que plus de la moitié des adoptés ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne dans les universités et étaient plus susceptibles de se joindre à des activités parascolaires que leurs homologues non adoptés. Voyons voir si cela sera le cas pour les enfants de la famille Kosinski le 28 février, un jour pas comme les autres chez la famille Kosinski. Le 28 février est un jour assez spécial, car cette date coïncide avec l'anniversaire de leurs 6 enfants. Le couple Grove et Wisconsin a toujours eu un faible pour l'adoption. En effet, les deux tourtereux voulaient d'abord avoir leurs propres enfants biologiques avant de procéder à l'adoption. Mais le destin a décidé autrement. En 2013, les Kosinski ont reçu un appel à l'aide de la part d'une maman enceinte dépressive qui attendait des jumeaux et qui cherchait des parents adoptifs. Cette dernière ne pouvait pas prendre en charge financièrement ses enfants. Après 3 mois de leur naissance, le jeune couple a établi la tutelle légale d'Adaline et Kenna et a commencé à vivre une vie de famille stable avec leurs jumeaux adoptifs. Au même moment, Carrie découvre qu'elle était enceinte. Une bonne nouvelle pour le couple qui voulait avoir un enfant biologique. Après une première échographie, les jeunes parents découvrent qu'ils attendaient des jumeaux. La grossesse n'a pas du tout été facile pour Carrie. Les médecins ont donc dû intervenir et pratiquer une césarienne d'urgence pour mettre au monde les enfants biologiques du couple Kosinski. Et comme par hasard, la naissance a eu lieu le 28 février 2014. C'était comme une sorte de bénédiction de Dieu pour la famille qui a rendu tout le monde heureux. Et ce n'est pas fini. En septembre 2015, Carrie a appris qu'elle était enceinte encore une fois. Et environ un mois plus tard, elle découvre qu'elle allait avoir une autre paire de jumeaux. Les jumeaux devaient naître le 12 juin 2016, mais Carrie a eu une grossesse très compliquée qui a nécessité une hospitalisation durant 6 semaines. À 24 semaines, la poche des os s'est rompue et Carrie a donné naissance à Clarisse Acte et Caroline et point par césarienne d'urgence. Et le 28 février 2016. Quelle coïncidence, les frères et sœurs ont peut-être la même date d'anniversaire, mais Carrie dit que chacun a sa propre personnalité.
Cette belle histoire d'adoption est centrée sur l'amour. En effet, plus on donne, plus on reçoit et la famille Kozinski en est véritablement la preuve. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à la partager.